Libère-le. Je te comprends. Tu as eu l'occasion de me laisser mourir et tu n'en as pas profité. Je suis prêt à parier que tu le regrettes maintenant. J'ai tué énormément de monde. J'ai mis toute la ville à genoux. J'ai anéanti les forces de police et ce n'est même pas encore l'heure d'ouvrir les cadeaux. La ferme. Allons-y. C'est bon, d'accord. Bien. Ce que notre ami Bane tient dans la main, c'est un moniteur cardiaque. Une fois activé, tous les battements de son petit cœur vide chargeront la batterie de cette chaise électrique. Et une fois chargé à fond... Donc, soit tu tues Bane... Non, je ne le tuerai pas. Tu le feras. Tu m'affronteras de toutes tes forces ou tu mourras. Quelqu'un est sur le point de mourir. Toi, moi ou le clown. Le choix de l'identité de la victime est entre tes mains. Un homme avec du cœur serait chez lui, à pleurer son vieux serviteur et fidèle compagnon. Et pourtant, tu es là. Tu n'as plus de cachette. Oh, au calme, ours. Si vous découvrez le moniteur, ça sera boum. Et tant que vous en lâchez sur les murs, on ne l'arrête plus. Bouge plus! C'est à toi qu'il faut dire ça. Seigneur. Attention, Jim. Quand cette chaise démarre, elle balance 2000 volts. Ça vous tuerait. Inutile de... Jim, assieds-toi, mon grand. On va griller ensemble comme deux tartines de pain au petit-déj. C'est bon, Je charge à 250. J'ai un bout. Puis, je ferai repartir ton cœur. Et je te tuerai encore. En espérant que tu trouves dans la mort la paix que tu n'avais pas vivant. Je ne cherche pas la paix. Je peux utiliser les courriers de l'histoire pour arrêter ton temps. C'est mon seul espoir. Regarde-moi, Batman. Oh, regardez ça. Ça me chatouille. En toi. Accepte la défaite. Attention au Bane Express. Chou-chou.
Pas toi. Il a réussi. La partie est finie, Joker. Libère le capitaine Gordon. Ouais, lâche ton flingue, cinglé. Mais moi, je vais pas te lâcher. Gordon! Ça, c'est l'esprit de Noël. Bon, j'adorerais rester pour célébrer ta victoire, mais j'ai des chaussettes à remplir, du gui à suspendre et environ 15 gratte-ciel à faire sauter avant l'aube. Ciao! Heureusement que vous aviez un gilet. Il a pris mon arme! Gordon, Joseph, j'ai besoin de vous pour arrêter le Joker. Besoin de nous? Mais c'est vous, le grand justicier. Ou est-ce qu'une mort vous suffit pour ce soir? Bane est en arrêt cardio-pulmonaire. Je dois faire vite si je veux le ranimer avant qu'il soit trop tard. Alors, vous ne l'avez pas? Ce n'est pas ma façon de faire. Filez. Tu ne me laisses pas le choix, Monsieur Wayne. Savons-nous sur le TN1, le composé que j'ai trouvé dans le labo de Bane? Je vais aller me renseigner, monsieur. Maître Proust, si vous n'éliminez pas Bane dans les 10 minutes, le TN1 qu'il vient de s'injecter sera opérationnel, et il vous éliminera en une seule attaque. Mais c'est quoi ce machin? Jerk, la Gordon, tu me reçois? Tout va bien? Harvey, j'ai besoin que tu sécurises toutes les sorties de Black Gate. Les égouts, les portes de nous, comme tu veux. Joker ne doit pas s'enfuir. On s'en occupe. J'en veux plus. Alfred a raison. Je n'aurai pas Bane à main nue. Je dois choisir une stratégie. Mais c'est quoi ce machin, putain? Yeah!
détruit la paix pour disparaître. T'es trouvé. Yeah. Plus de paix. Battez pas Bane, très vite, le TN1 le rendra invulnérable.
C'est fini, Alfred. J'ai vaincu Bane. Maître Bruce ? Maître Bruce, vous allez bien ? Merci de m'avoir aidé avec Bane. J'espère qu'il est bien sonné cette fois. Il est bouclé. On dirait bien que le TN1 qu'il a pris a endommagé sa mémoire. Définitivement. Cela veut-il dire qu'il ne divulguera pas votre identité ? On dirait bien. Content de l'apprendre. Et le Joker ? Il est toujours en fuite. Mais pas pour longtemps. Ici le capitaine Gordon à la station de Black Gate. Je demande l'évacuation immédiatement. On a tiré sur le directeur Joseph. Je répète, le directeur Joseph est blessé. L'hélico des secours est en route. Arrivé dans 15 minutes. Dites-leur de foncer! Sniper! Où est Gordon? Regardez un peu qui veut se faire cogner. J'ai ma dose de toi pour la soirée. Ah non, je crois pas. Espèce d'enfant. Eh merde. Tu veux le Joker? Prends-le. Aidez-moi à protéger le directeur. Vous allez vous en tirer. Où est le Joker ? Il est passé par cette porte. Elle mène à la chapelle. Merci. Tu sais très bien que je suis une cause perdue.
Ça n'arrive pas à entrer dans ton crâne vide, hein? Ah! Si on existe, c'est grâce à eux! Abandonne! Tu as perdu! Tu aimes bien les sensations. C'est vital pour toi. Allez, Batou, frappe-moi jusqu'à ce que tes poings saignent. Pourquoi abandonner? Tu sais qu'il n'y a qu'un seul moyen de m'arrêter. N'importe lequel de mes hommes l'aurait buté. Cette ville mérite beaucoup mieux que ça. Vous savez, ma fille pense que vous êtes un héros. Malgré tout, je dois vous arrêter. Gordon, réponds! Où est-ce que tu es? Je suis dans la chapelle. On tient le Joker. J'en reviens pas! Tu l'as eu? Et comment t'as fait ça? On m'a aidé. J'arrête pas de me demander pourquoi je l'ai pas arrêté. Et maintenant, je sais que si j'ai fait ça, c'est uniquement à cause de toi. Parce que toi, tu crois en lui. J'en sais rien. Ils m'ont mis à la tête d'un service bourré de flics véreux. Et je ne peux pas les changer. Pas plus que je ne peux changer cette sale ville. En tout cas, c'est ce que je croyais avant. Il a arrêté son cœur. Ça, c'est marrant. Elle est bonne, Batou. Je crois qu'on va bien s'amuser. Mais peut-être... peut-être que je peux lui donner une lueur d'espoir. Peut-être que lui, il peut lui donner une lueur d'espoir. Tried so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart?
Another crime before my time made your heart sad and blue. And so now you make me pay for things I didn't do. In anger, unkind words are said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? You'll never know how much it hurts to never see you smile. You know you need and want to laugh, yet you claim it's not your style. Why do you hide behind that mask? I'm trying to do my part. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? There was a time when I believed that you belonged to me. But now I know your heart is shackled to a memory. You won't admit that we're the same, and it's tearing me apart! Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Notre invité suivant, le stratège politique Dean Snyder, a suivi les événements de ce soir depuis le début, il y a plus de 8 heures. Docteur Snyder, commençons par vous. Quel est votre avis ? Eh bien, Jack, c'est une comédie. C'est la chute ultime du système judiciaire. Un justicier qui nettoie les rues après de nombreux morts et attentats ? Mais qu'est-il donc arrivé à nos forces de police ? Et qu'en est-il de James Gordon ? On ne peut pas dire qu'il est brillé ce soir. Attendez une minute, Dean. Je ne suis pas, comme vous le disiez, un défenseur du GCPD ni du capitaine Gordon. La débâcle de ce soir met en doute son inefficacité. Mais je ne vois pas comment les forces de police d'une municipalité pourraient faire un meilleur travail contre des criminels tels que ce Joker ou les tueurs qu'il a fait venir en ville. Franchement, ces types sont dangereux. Nous n'avons jamais vu un truc pareil. Alors à mon avis, c'est pas la police de Gotham qu'il faut remettre en question, mais l'état de notre pays, un pays dans lequel les soins psychologiques et le système éducatif sont tellement ruinés qu'ils engendrent des criminels de ce type. Vous soulevez un point intéressant, Hank, mais je me demande ce qu'on fera ensuite. Non, ce n'est pas un point intéressant. Ce sont des salades. Ils ont tous tort. Le problème n'est pas la police ou Batman. Ce n'est pas de l'état de notre nation qui produirait de nouveaux criminels fous dangereux qu'il faut parler. C'est de la chute d'une seule et même institution. Une institution qui, à mon avis, représente la plus grande menace pour Gotham et ses habitants. C'est une bombe à retardement. Si le chaos de ce soir nous a appris quelque chose, c'est que Blackgate n'est pas l'endroit adapté pour accueillir nos plus dangereux criminels. Pas une, mais deux évasions en une seule nuit. Tous les drames de ce soir auraient pu être évités si Gotham avait un établissement de soins pour ses détenus les plus dangereux. Un endroit à la sécurité inviolable, où les hommes les plus violents pourraient être isolés, réinsérés et soignés pour leur maladie. Un endroit comme l'asile d'Arkham. Et après ce qui s'est passé ce soir, je promets aux habitants de Gotham que je travaillerai sans relâche. J'irai voir le conseil municipal, et même le gouverneur s'il le faut, pour faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rouvrir l'asile d'Arkham. Ainsi, nous pourrons dormir sur nos deux oreilles. Il fallait s'y attendre. Quincy Sharp n'impute pas les événements de ce soir à Batman ou au Joker, mais à la prison de Blackgate. Et il demande la réouverture de l'asile d'Arkham. Nous revenons avec d'autres déclarations de M. Sharp et de nos autres invités. L'heure de Jack Ryder continue après ce message.
Je savais que tu viendrais. Tôt ou tard. Qu'est-ce qui se passe si je ne signe pas? Tu pourris ici, ou tu travailles pour moi?